Sir, you might want to take a look at these. Saints alive, your man must be one hell of a pilot. Before we knew it, we were back in the air. Our mission? To clear the way for the bombers so they could blow that fortress all to hell. First, we'd have to down the barrage blimps. Jesus, imagine being a lookout on a blimp. Bad luck, Fritz. Next, we'd have to deal with their anti-aircraft trucks. The assault was already in full swing when we got there. We'd have to deal with all those defenses, then escort our bombers to their target when they arrived. Tall order. But victory here could change the course of the whole damn war. Really dangerous! Trust me! And buckle yourself in, baby! Down those blimps! Clear the way for our bombers! Easy enough. Watch my back!
Take him off! La bataille d'Arras fut une offensive sanglante d'avril 1917. Dans les cieux s'opposaient le Royal Flying Corps et la Luftstreitkraft, dont les effectifs étaient plus importants. En 4 jours, l'aviation britannique perdit 75 appareils et 105 équipages. L'espérance de vie en vol était de 18 heures pour ses pilotes. De nombreux novices furent alors employés, mais leur inexpérience provoqua le crash de 56 d'entre eux. De leur côté, les Allemands bénéficièrent de l'arrivée du Baron Rouge et de son équipe expérimentée en mars. La bataille se solda pourtant par une victoire britannique qui n'en résulta guère une percée stratégique pour l'Angleterre, qui perdit 150 000 hommes contre 100 000 pertes allemandes. The Tatar of the land, and God your